Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, alors pas très longue, c'est juste pour vous montrer où je suis arrivée à mon tricot, on me l'avait demandé. Alors je vous rappelle que mon petit tricot, voilà, je fais, bon, c'est marqué à l'envers, mais je vous remettrai les liens en barre d'infos avec le livre fil d'art, donc c'est le fil Multicos et compagnie, automne-hiver 2020-2021, le numéro 705. Et le modèle que je fais, alors je vais vous le montrer en grand, ce sera mieux. Je n'avais pas préparé, c'est pas bien. Oh, on est qui gratte, qui a envie de m'embrasser? Et voilà. C'est le modèle que je suis en train de faire. Alors, j'ai terminé. Alors, le dos et le devant sont pareils. Donc, j'ai terminé le devant, enfin le dos, voilà. Donc, on voit les emmanchures hein, ici. Je remettrai les photos à la fin également. Donc voilà. Et donc le devant, c'est pareil. Voilà, voilà. Et maintenant, j'en suis aux manches. Alors, les manches, je les tricote sur la même aiguille, voilà, en même temps, avec deux pelotes. Donc là, les deux pelotes, bon, on voit, il y a un petit décalage au niveau des couleurs, mais c'est pas grave, hein. Ça m'embête pas, puisque là, les rayures se font avec la pelote, donc j'ai pas trop le choix, je peux pas faire autrement. Donc là moi je les tricote donc en même temps comme ça, bah, ça je trouve que ça va plus vite et ça permet d'être sûr d'avoir le même nombre de rangs à chaque manche et de faire ces diminutions et augmentations au même endroit également, voilà. Donc là, j'en suis à peu près à la moitié de la manche, enfin des manches. Donc ça devrait aller assez vite là pour le reste. Bon, j'espère que j'aurai assez de laine. Parce qu'ils me disent. Alors. Pour les manches, il me reste ça. Ça me paraît juste. Et il me reste. Et il me reste une pelote comme ça, du devant. Donc on verra bien. Je sais pas, ou soit je recommanderais peut-être une pelote, je verrai bien. Et ça me paraît un peu juste. Bon, on verra. Donc voilà où j'en suis, ça devrait bientôt se terminer. Je vous remontre les manches, voilà. Donc, c'est tout en jersey, hein, là, le point, vous voyez. Donc, j'aime beaucoup. Et je pense qu'il va être très chaud. Il ne gratte pas. Il est vraiment très doux. Donc, c'est vraiment super bien. Donc, voilà. Donc, vous voyez, c'était pas une très grande vidéo.
mais c'était pour vous montrer où j'étais arrivée. Donc, sur mon pull, oh, pardon, il est tard, où j'en étais arrivée avec mon pull. Donc, la prochaine vidéo, ben, j'espère que ce sera soit la fin ou soit pour vous montrer qu'il est terminé, on verra. Et après, ce sera le démarrage du prochain tricot. Donc, ce sera la veste, la grande veste en laine également. Donc, mais ça, on commencera la semaine prochaine peut-être, ou on verra fin de semaine ou début de la semaine d'après. On verra par rapport au pull comment ça a été. Donc, voilà. Allez, je vous remets en barre d'infos le lien du livre et le lien de la laine que j'ai utilisée pour faire ce pull. Voilà. Allez, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous.